Bonjour, Claire de Necker de l'Urfiste de Lyon. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cette journée qui a été organisée par le réseau des Urfistes sur les certifications dans l'enseignement supérieur. Donc les Urfistes, qui sont des services de formation, s'interrogent bien évidemment sur les modalités qui sont à l'œuvre aujourd'hui, soit dans le secteur de l'enseignement, soit dans l'entreprise, pour attester des acquis, des compétences, des connaissances, des savoir-faire, ou pour garantir la qualité des services de formation. Donc c'est la raison qui nous a conduit à organiser cette journée. Nous allons démarrer par une intervention un petit peu cadre et générale sur les compétences. Et vous verrez qu'au fil de la journée, nous allons aussi faire des focus sur des expériences avec des retours de la part de collègues qui ont mis en place des modalités ou des process d'évaluation, de certification. Et comme le disait Gabriel, la table ronde sera l'occasion peut-être d'avoir des points de vue un peu croisés sur ces questions-là. Donc je voudrais remercier Jean-Claude Coulet tout particulièrement pour ses interventions, parce qu'il a eu l'amabilité un petit peu au dernier moment. Nous avons eu un des intervenants qui a été retenu dans son établissement. Il a eu donc la gentillesse de bien vouloir faire deux exposés. Donc il commencera par un exposé sur la notion de compétence et l'approche par compétence, et ensuite son intervention portera sur les référentiels.